Salut tout le monde, c'est Malik, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, une petite vidéo découverte d'un jeu qui est sorti il y a un moment, je le sais. Dragon Ball Racking Blast 2. En sachant que j'avais déjà joué au 1 et qui pue sa mère. Nous sommes sur PS3, toujours avec mon cousin. Un putain de connaisseur de Dragon Ball Z. Hein, franchement, il n'y a pas... Ouais. Un bon connaisseur. Faut parler, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est pas peur. Donc, moi, c'est ma première partie. Donc, j'y ai jamais joué. Faut savoir que j'adore l'univers de Dragon Ball Z. Je connais tous les personnages. J'ai suivi tous les mangas. Même si j'étais vraiment très déçu du GT. Surtout avec la moustache de Vegeta qui était écœurante, franchement. Voilà. Et il crée qui? Il crée Gogeta 4. Il lance des confettis. Non, mais attends, franchement. Je suis la manette 2. Donc vas-y, je vais. Non, c'est toi. Ah, bah vas-y, je vais tester la manette 2. Comme ça, c'est toi qui vas un peu montrer les menus, tout ça. Donc, on va effectuer un combat. En équipe ou en solo? D'abord, on va faire une équipe en équipe. Tiens, je vais rapprocher le micro de ta bouche. Par exemple, t'as un mode galaxie avec tous les personnages. Ouais. Et tu peux avec les personnages et tu gagnes un autre personnage comme ça. D'accord, il n'y a pas de suite logique quoi. Non, non, tu dois... Et c'est un monde libre, c'est quoi? Par exemple, je sais plus c'est dans quel jeu, je te rappelle, tu pouvais te balader avec son Goku, c'était sur PS2, je crois que c'était Budokai 3. Non, c'est pas ça, c'est Garatin. Tu pouvais te balader un peu librement sur, sur Terre, chercher les Dragon Ball. C'est un mode galaxie et c'est comme ça en fait. D'accord, tu donc prends un personnage. Tu fais des combats à la suite en voilà, fait. Voilà, tu fais ça. Et là, il y a. Par exemple. Là, quand même. Et là, c'est la mission du boss, par exemple. C'est laquelle? C'est là. Là, avec plein de trucs, c'est la mission du boss. D'accord. Et quand tu bats le boss, et ben, tu débloques un personnage. Ok, et un personnage prédéfini, comme là, tu vas débloquer celle. Non, là, tu débloques. Normalement, tu débloques Trunk. Tu vois, par exemple. Ah. Qui a un rapport avec le personnage que t'as fait. D'accord, et comment ça se fait que je vois que t'es qu'à 62%? Tu l'as fini le jeu ou... Non, je l'ai fini, mais... Non, je demande. J'ai gagné tous les personnages, mais... Ah, avec chaque personnage, tu peux faire un... D'accord, d'accord. Donc, il y a assez long, quoi. Ouais. Donc là, t'as joué plus avec lui. Non, j'ai... Toi, c'est quoi ton personnage de prédilection à voir? C'est lui. C'est Sangoku, 83, non. 85 avec petit Sangwan. 83. Bon, c'est avec Sangwan petit. C'est avec Sangwan. Ouais, c'est avec Sangwan petit. Parce que t'es pas obligé de faire tous les personnages pour débloquer en fait. Ah ouais, donc c'est. Et comment tu sais quel personnage. Ils disent quel personnage tu as débloqué ou pas? Non. Ou c'est au pif comme ça? Ça dépend. Ouais, des fois quand il te manque un personnage, ils vont te donner au pif. Ouais. Et sinon, ils te donnent un personnage par rapport avec la famille ou. Ah d'accord. Par exemple, Sangwan, tu vas débloquer Sangwan Ado. Sangwan Ado, tu vas débloquer Sangwan Ultime. Ah ouais? Après Sangwan Ultime, tu vas débloquer Bobou. D'accord. Tu vois par exemple, qui s'est battu? C'est quoi Sangwan Ultime? C'est quand il a développé tout son potentiel là avec. Ouais, c'est quand il a tenu Sangoku. C'est qui? C'est Kaioshi? Non, c'est pas. C'est le maître Kaio? Comment il s'appelle? Celui qui lui développe son. Kaioshi? Non, le vieux. Oh, je sais pas. C'est lui, gars. C'est lui, Sangwan Ultime. Ah voilà, avec ça, mais quand il se bagarre contre Bobou, quand il a absorbé. Quand il a absorbé Gotrunks. Gotrunks, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme personnage? Déjà, on a beaucoup de personnages. Est-ce qu'il y a... j'appuie sur Star, voilà. Tu peux prendre... Ah ouais, les transformations. C'est qui ça? C'est... Non, Vegeta Super Saiyan 3! Ouais, ils ont mis des personnages... ils ont mis des personnages fictifs! Les gars, monte au-dessus. Et Broly Super Saiyan 3 aussi. Ils en ont mis deux, en fait. D'accord, donc les deux-là, ils existent réellement pas, quoi. Non, même dans le 1, ils l'ont mis les deux comme ça. Ah ouais, ouais. Moi, dans le 1, j'ai joué, mais vite fait. Et c'était le même système, je m'en souviens même plus. Non, je crois pas. Moi, faut dire que je suis fan, hein, vraiment, je suis fan de Dragon Ball Z, mais réellement, les jeux, ils sont pourraves, quoi. Autant sur PlayStation 2, on a été gâtés, sur Super Nintendo aussi, je me souviens plus, c'était... Il y avait le gros Boubou sur l'étiquette, il y avait le gros Boubou et Sangoku, je crois, ou gros Boubou et Trunk petit, et il était stylé. Alors, je vais choisir un personnage d'abord, c'est qui celui-là? Ah, c'est le robot des glaces. Tu connais pas? Hein, si, c'est le robot créé par le docteur, là. Si! Non, lui c'est. Tout la haine des Saiyans. Ouais. Et ben. C'est le dernier film Dragon Ball Z. T'as pas. Non, l'avant-dernier. L'avant-dernier, ouais. L'avant-dernier. Ouais, le dernier pue en passant. Ouais. Hein. Franchement, je sais pas, pour tous les fans de Dragon Ball Z,
Ils nous ont pondu à Dragon Ball Evolution que j'avais envie de pleurer ma mère tellement que c'était dégueulasse. En plus, j'ai payé ma place au ciné. Ah, il avait au ciné. Ah oui, il avait au ciné. Battle of God, il avait au ciné. Non, Battle of God, il est sorti au Japon. Mais Dragon Ball Evolution est sorti au ciné en France. Evolution, c'est avec les vrais humains. Ouais. Il pue. Putain, il y a même Sangwan dans l'histoire de Trunks. Ah, il tugar en Super Saiyan comme ça. Ouais, mais il est pas fort aussi. Si, ça va. En plus, il lui manque un bras ou pas? Non, il y a les deux. Il y a les deux. Bon. On va prendre Sangwan quand il s'est battu contre... Ah putain, c'est qui ça? Putain, il a l'air super stylé, Sangoku, là. Non, c'est amélioré, ça. Ah ouais? Non, c'est pas un personnage. C'est quittable. C'est le frère Vegeta. Du Hola? Bah ouais. Je sais pas. T'as pas vu le film... Non, je connais... Il y a Raditz. Après, il y a le combat fracticide. C'est aussi le frère à Sangoku. Non, frère à Vegeta. Le frère à... Vegeta est un frère. T'as pas vu le film Sangoku et ses amis sont de retour? Même si c'est les deux cousins de Freezer qui viennent et ils se bagarrent. Non. Quoi, Couleur et qui? Non, c'est les deux cousins. C'est... Non, Couleur, c'est le frère à Freezer. Les deux cousins, c'est deux. Ah, les deux cousins. Deux petits gros. Non, j'ai jamais vu. Bon, en fait, on va blablater, mais en même temps... Putain, je vais prendre lui. C'est bon, Super Gogeta. Vas-y, moi je prends. Hop, ok. C'est quoi de ça? C'est quoi de ça? Tu peux prendre 2, 3, 5, comme tu veux. Non, mais t'es pas obligé de prendre 5. Non, mais on en prend combien, nous? 3. On en prend 3. 3, c'est bien. Vas-y, tu vas en même temps m'expliquer les touches, parce que faut avouer que je connais rien. C'est tout l'inverse de Naruto. Non, c'est trop dur. Ouais, c'est ça, en fait, qui est dégueulasse. Voilà, c'est ça que j'ai pas envie de jouer, moi, à ces jeux-là. Parce que je suis tellement fan que... T'as vu, par exemple, tu prends Naruto, c'est super nerveux. Les combats, ils sont réactifs. Là, pour mettre une pêche, il faut faire un devis. Le mec, 30 ans plus tard, il est toujours en train... Je vais prendre Majin Vegeta. Ouais, lui, il est fort, mais... Ce qui est nul avec lui, c'est sa technique finish. Quand tu l'as fait, bah, tu meurs. Tu vois, quand il... Ah, bah, comme il a fait avec Boubou. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, c'est quoi les touches? Explique-moi vite fait. Attends. Mito, il dit même moi, je sais plus. Voilà, je me rappelle pas. Attends, je crois que c'est... Non, c'est carré pour frapper, ouais, c'est bon, je me rappelle. Carré pour frapper. Ouais. Là, pour prendre ton énergie. Ouais. Pour faire les techniques, en fait, tu prends ton énergie. On fait quoi? On fait comme avant, on prend d'abord son énergie tranquillement, ouais, de son côté, ou on attaque direct? Non, on prend son énergie. Vas-y. C'est une petite règle qu'on sait toujours. Ah ouais, c'est comme ça. Putain, c'est bien. Tu prends ton énergie. Voilà, bah elle est à fond. Non, elle est pas à fond là. Elle est au début. Hein? Elle est au début ton énergie, là, prends là. Et les techniques, c'est là en fait. Tu lèves l'analogue, tu la mets sur la droite, à gauche. D'accord. Et là, gars, et là, si tu cliques sur l'analogue, comme ça là. Et ben, il va faire sa technique finish. Ah ouais, mais. Putain, c'est un peu compliqué, hein. Je vous avoue que c'est un peu chaud. Je suis en train de faire n'importe quoi. Faut appuyer sur tous les bouts. Ah, tiens, j'étais carotte. Ok. Non, wow. Mais tu ressembles. Ça va être je vais tout penser. Ah ouais. Bah, alors, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. En même temps, je découvre le jeu, je suis désolé. Il est sorti quand? En 2010. Ah le bâtard, il m'a niqué, bah ouais. Par exemple, tu vois quand il apparaissait derrière toi, il te frappait encore. Ouais. Il faut taper tout le temps sur carré. D'accord. Et pour prendre sa garde, c'est R1 en fait. Pour prendre sa garde, c'est R1. Alors ouais. Attends, les touches. Ouais. R1, d'accord. Garde un peu plusieurs fois sur R1. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais même pas si c'est en mode. À m'arranger. Ah, mais c'est chiant ça. On comprend rien. Regarde la caméra, elle est où? C'est pour ça que j'aime pas moi un joueur 1 contre joueur 2. Mais normalement... Et avant, avec toi, j'étais sur le même truc, non? Il fait tout le temps les mêmes techniques, quoi. Mais t'appuies sur rond, après, tu peux changer de... Bah ouais, j'appuie sur rond. C'est carré, je t'ai dit. Ah, c'est carré. Bah ouais. Tu peux changer de personnage, là, si tu veux. Non, mais je crois que j'ai l'habitude de... Et pour changer de personnage, comment on fait? Tu dois prendre toute ton énergie. Non. Mais pourquoi t'appuies sur rond quand tu prends ton énergie à fond? Bah parce que il est marqué, mode enragé. Mais là, faut pas le faire, c'est nul. Ah ouais? Oh, arrête de l'esquiver là! Et pour Quand t'en enragé, appuie sur croix pour voir. Garde, appuie plus de fois sur croix. Et dirige la. Ah ouais, c'est vrai, c'est pour frapper. Ah, oh, mais t'es énervant toi! Putain, c'est super chimique. Ah, j'aime pas. Ah, franchement, j'aime pas. C'est pas parce que je perds. Donc là, j'ai perdu. Allez, Boubou! Mon petit Boubou! Allez, mon petit Hollywood. Vas-y, allez, rapproche-toi. Comment tu fais pour aller vite? C'est croix. Putain, c'est ça, vite. Regarde, on dirait deux cassos. Lui, il vient d'esquiver mes techniques. Comment t'as fait pour esquiver? T'abuses sur R1, carré. D'accord.
Allez, Boubou, ouais, là je te reconnais, Boubou. Comment on fait pour prendre les gens? Comment on fait pour quoi? Les prendre les gens. Ouais. Tu peux normalement faire une technique de projection. Vas-y, là j'appuie plein de fois sur carré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Boubou est en mode énervé là. Ah, on peut se transformer après. Ouais. D'accord, je pense. Non, parce que je pensais que chaque personnage. Oh là là, c'est chimique ça. Tu sais que tu pouvais encore me taper là? Ah, mais je voulais faire une technique. Putain, c'est trop mou, c'est trop mou. Grave, laisse moi technique finish. En plus, je le range ta côté. Là, j'aime pas. La vérité, j'aime pas. Et Naruto. Ils ont, bah franchement, largement. Naruto est plus facile à prendre en main déjà. Bon, ça, c'est après, t'as vu, c'est une habitude à prendre, ça, ouais. Je le sais bien, mais. Non, ça, faut que je t'entraîne une semaine après, c'est mou. Ouais, mais c'est mou, non ouais. Quand le personnage y est loin. Non, mais après, parce qu'en fait, tu sais pas très bien jouer, parce que. Quand t'es loin, t'appuies deux fois sur quoi, il va direct aller vers le personnage. Ouais, je sais, mais. Quand tu restes appuyé aussi sur quoi, ça le fait. Oh le bâtard! Bah ouais, t'es en train de me niquer. Bon, c'est mon dernier personnage là, ça fait. Non, il te reste encore un. C'est mon dernier personnage. T'étais pas mort là. J'étais pas mort? Hein. Allez, Vegeta! Final Flash! Bon, vas-y, allez, avance. S'il te plaît. T'as plus d'énergie là. Ouais, mais c'est pas grave, je vais le taper. Même je me suis détransformé comme t'es faible. Va te faire foutre. Ouais, c'est quoi pour esquiver? Tu m'as dit R1 carré. R1 carré. Non, R1, pas L2, pas S2. R1, bah voilà, R1 carré. Ah bah vas-y, fais-le. Ah d'accord, après tu fais comme ça, ah, d'accord. D'accord. Ah, ça c'est les... Ça brise la garde, ça. Putain, je suis déçu. Son Goku, quoi. Vraiment, j'ai pas. Le mode histoire est mieux. Le mode galaxie, parce que t'as pas le tri au milieu. Là, ça... Ouais. Il a comme multijoueur, quoi. Ouais. Ah putain, bien joué. On dirait la technique à Freezer. Et comment tu fais pour disparaître? T'as vu te téléporter? Parce que normalement, tous les jours, tu frappes et t'appuies sur quoi? Non, je vais pas le faire. Comme ça. Voilà. Tu frappes et t'appuies sur quoi? Putain, c'est Moumou. Ça y est, tu l'as suivi son personnage. Ouh, son premier personnage. Ouais, son premier personnage. Lui, il est trop fort. Janemba, il est fort. Ah, il est trop fort, lui. La dernière fois, il m'a bouffé avec. C'est quoi l'énergie de Vegeta, là? C'est les méchants. Elle est pas comme ça, normalement. Si. Bah c'est... non, dans le vrai, elle est pas comme ça. Si, hein. Comme c'est un méchant, il... Ah, l'Airbus s'est remis en route. Voilà. Et c'est quoi ce qu'il dit de faire là? Quoi? Ils disent de la merde, faut pas les écouter. Ils disent de la merde. Gare, par exemple, le gare. Parce que. Par exemple, il y a plusieurs techniques. Je n'ai pas une technique, gare, je fais ça, je suis derrière toi. Ouais, ça défonce. Ah, ça va, je commence un peu à maîtriser le truc. Celle-là, j'aime pas moi. Ah, bien joué! Ah, bien joué! Ah, t'es sérieux? Ah ouais. Pfff, bâtard! Elle est violente. C'est quoi, je vais arrêter là? L'enregistrement, Marc, si tu veux jouer, y'a pas de soucis. En tout cas, voilà, c'était ma petite découverte donc sur PS3. Faut savoir que j'aurai la Xbox One un peu pour vous tenir au courant, c'est vrai que j'en ai pas parlé. J'aurai la Xbox One en février, donc je l'ai commandé, maintenant il reste plus qu'à attendre. Je suis dégoûté la dernière fois, ils en avaient quelques exemplaires, ouais. Mais ils étaient déjà réservés, donc j'ai essayé de détourner le vendeur. Ouais, il m'a dit non, c'est pas possible, Malik, pour toi. Tu reviens un autre jour. Donc il m'a mis un petit vent. Enfin voilà, passez tous une bonne journée, une bonne soirée, restez connectés et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.